L'économie de la Côte d'Ivoire repose en grande partie sur ses exportations de café, de cacao et de bananes. Depuis quelques années, un remarquable ouvrage d'art relie Trècheville au plateau, le pont Oufouette-Boigny, orgueil légitime des habitants d'Abidjan et sur lequel défilent quotidiennement des milliers de véhicules à une telle cadence qu'un deuxième pont vient d'être inauguré pour alléger le trafic. Contraste toujours entre ces bâtiments fonctionnels dus à une conception architecturale ultramoderne et les quartiers populaires entrevus tout à l'heure, le principal trait commun les reliant en saison des pluies, résidant dans ce petit balai des parapluies qui se reproduit dans toute la ville lors de chaque averse. Macori, Port-Boué, le plateau, le quartier résidentiel de Cocody dominé par l'hôtel Ivoire, célèbre dans l'Afrique entière, ou les quartiers africains de Trècheville et d'Adjamé, en fait ce rapide survol d'Abidjan n'est destiné qu'à prendre contact avec la capitale de la Côte d'Ivoire. Notre propos en nous rendant dans cette ville africaine n'étant pas d'y tourner un documentaire, mais bien d'y déceler un aspect peu connu. Abidjan est probablement l'une des villes au monde où la densité de footballeurs au mètre carré est la plus importante. Partout, sur le moindre espace libre, des gosses, des adolescents jouent sur n'importe quel terrain. Un arbitre, un sifflet, une rue littéralement barrée par deux haies de spectateurs et des matchs passionnés interminables soulèvent l'enthousiasme. Terre battue ou asphalte, qu'importe le revêtement, qu'importe la pluie ou le vent, qu'importe les installations rudimentaires, ce qui compte, c'est de jouer, de taper dans une balle, d'extérioriser ce don inné du jeu. Ces gosses, nous les avons vus dans une ruelle, jouant entre les flaques de boue, ensuite sur l'asphalte d'un terrain de basket. Mais c'est ici, à Macori, que se déroule une des parties les plus surprenantes. L'emplacement de jeu, un terrain vague, recouvert de scories et de morceaux de charbon, devant les cases des charbonniers qui vivent groupés dans cet endroit. Et là aussi, le football est roi. Ces gosses tapent inlassablement dans la balle, que ce soit un ballon de caoutchouc comme ce matin-là, une boule de chiffon ou un vieux cuir se dégonflant par toutes ses coutures. Ici, un vrai terrain, des piquets en guise de but, un arbitre, le tout au centre scolaire de Trècheville. Mais le sol consiste en une couche sablonneuse, entraînant parfois des effets de balle pour le moins inattendus. Dans la banlieue, sur la route reliant l'aéroport à Port-Boué, un terrain vague, du sable, des gosses, un ballon et à nouveau le même spectacle, l'âge n'ayant rien à voir dans l'affaire.
Enfin, à quelques kilomètres d'Abidjan, la plage immense, les rouleaux de l'océan Atlantique déferlant sans trêve sur le sable, des cocotiers, l'image classique des tropiques et de l'évasion. Mais ici aussi, sous les cocotiers, une partie échevelée s'est engagée entre les gosses de pêcheurs vivant en bordure de mer. Nous avons intitulé ce reportage « Football au mètre carré ». Ce titre définit probablement le mieux cette rage du football, cet amour de la balle ronde poussant les gosses à jouer partout, toujours, sur n'importe quel sol, par n'importe quel temps. Des gosses qui oublient un instant leur jeu pour se désaltérer du lait des noix de coco, leur façon à eux de marquer la mi-temps. Mais le ballon est là, omniprésent, et d'ici quelques minutes, il constituera à nouveau le seul pôle d'attraction. Ces enfants qui commencent à jouer dès l'âge de 7 ans sur le sable ou dans la rue, à l'instar des Brésiliens, qui possèdent le sens inné du geste, que deviendront-ils à l'âge adulte? Cet amour du football, ce football qui demeure avant tout un jeu, cette recherche parfois exagérée du dribble, de l'exploit technique personnel, comment peut-on essayer de l'intégrer dans un système? Est-il possible d'adapter le don à l'état pur aux critères du football dit classique? Sur le stade Champroux, un Français, Jean Cornilly, entraîneur de l'Africa Sport, champion de Côte d'Ivoire, va nous expliquer son premier contact avec le football africain. Je suis venu ici en Afrique et je vous assure, sans complexe, sans rien, je suis arrivé comme si j'arrivais dans un pays européen. Et vous ne connaissiez pas du tout l'Afrique? Pas du tout. Absolument pas. Alors vous arrivez comme dans un pays européen et qu'est-ce que vous avez dû changer? Eh bien, c'est-à-dire évidemment que, vous savez, pour connaître l'âme africaine, la philosophie africaine, il faut y rester pendant longtemps. Mais je m'y suis habitué et maintenant je m'y trouve très très bien. Les joueurs sont enthousiastes. Ils n'ont pas évidemment les mêmes avantages qu'ont les Européens professionnels, ni voiture, ni maison, ni magasin. Ils jouent vraiment pour jouer et vraiment ils s'amusent. Ce qui fait qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir en Europe. Par exemple, l'application du dribble, qui est ici quelque chose d'exceptionnel. Les gens applaudissent, même si le troisième joueur vous prend la balle, bravo, il y a eu quand même trois hommes ou deux hommes de dribbler. La moindre feinte soulève l'enthousiasme du public. Enfin, tout ce qui est spectaculaire, qui sort un peu de l'ordinaire, ici, c'est apprécié. Donc c'est le football spectacle. C'est une grosse opposition avec le football comme on le pratique parfois en Europe. Oui, il y a peut-être moins d'engagement, puisque maintenant le football est devenu engagement physique complet. Et il y a moins d'efficacité, c'est le mot à la mode, il faut être efficace. Mais je crois que le spectacle, il gagne. J'aimerais que nous parlions un peu maintenant des problèmes de l'entraînement. Je crois qu'il y a un problème de terrain. Eh bien, voyez-vous, sur le terrain sur lequel nous sommes trois équipes pour nous entraîner. On nous donne un jour par semaine à chacun. Nous avons, nous, entre autres, le mercredi. Mais alors, le mercredi, sur ce terrain, arrivent peut-être une centaine de joueurs. Les jeunes, et puis les moins jeunes, et puis les plus vieux. Si bien que nous sommes obligés de réduire la durée de l'entraînement. Il faudrait qu'en réduisant la durée, nous augmentions le rythme. Il est très difficile parce que les gens n'arrivent pas tous à la même heure. Ou ils sont étudiants, ou ils travaillent, ou ils perdent un peu de temps en route. Si bien qu'il y a des moments où il y a de grosses difficultés d'engagement, de début. On attend, puis des fois on est à 3, on est à 4, et puis il en arrive 5, et puis il en arrive un 6e, et puis il en arrive 7. Alors, on a des difficultés. C'est un peu des entraînements arrivés échelonnés qui sont très très difficiles à faire.
Enfin, nous avions pu obtenir, et j'ai encore quand même pu obtenir cette année, que les principaux soient au moins 4 fois par semaine à l'entraînement. Alors, un jour par semaine, ce n'était pas possible. L'entraînement du matin à 5 heures, c'était très difficile parce que les gars, pour ne pas venir changer d'habitation, ils en ont 4 ou 5, hein, le grand frère, les petits frères, la tante, la cousine. Tout ça. Alors on allait les chercher là où ils avaient donné l'adresse et puis ils avaient couché dans un autre endroit. Donc le matin, on avait des difficultés. J'ai fait assez longtemps, de 5 heures à 6 heures et demie. Mais ça ne donnait rien. Là encore, il y avait des arrivées échelonnées. Mais pire, il y avait 3 joueurs. De qualité qui devait jouer le dimanche venait, le lendemain il venait pas, c'était 3 autres, cela ne venait pas, il en venait 3 autres sur le lendemain, c'était excessivement difficile. Si bien qu'on a remis les entraînements du soir, qui sont quand même beaucoup plus suivis. Ils ont été fort intéressés sur les méthodes européennes. Ben, au point de vue éducation physique, évidemment, ils couraient, ils sautaient, mais sans distinction, sans savoir où il fallait placer un mouvement, s'il était dans la mise en train ou dans la partie fondamentale. On faisait un peu ça à l'emporte-pièce. Ils ont été fort intéressés. Je dois dire que la première année, j'ai vraiment eu du plaisir à entraîner ces gars-là. Et puis, comme de partout, voyez-vous, les grandes équipes commencent à s'effondrer à un moment donné et ils se sont crus invincibles, invulnérables. Alors, ils ont un peu tiré au flanc, comme beaucoup. Et c'est une expérience très enrichissante parce que j'ai retrouvé le football tel que peut-être on l'a oublié un peu trop en Europe. C'est un jeu, on en a voulu en faire un travail, si bien que les gars qui sont des travailleurs, des professionnels, ne prennent plus plaisir à jouer. Ou alors c'est la grande équipe qui gagne toujours. Oui, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Tandis qu'ici, on joue vraiment pour le plaisir. Les gens s'amusent jusqu'au moment où il y aura peut-être un peu d'argent dans le coup, on retournera et on retrouvera les problèmes de l'Europe. Mais à l'heure actuelle, je dois dire que c'est vraiment un plaisir, les gars, ils vont volontiers rendre sur le terrain pour gagner, ils font encore comme avant, vous savez, le grand rond, ils se chuchotent quelque chose, et puis ils partent, ils sortent, ils lancent des cris, enfin, c'est vraiment le folklore, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Jeudi matin, un match interquartier près du pont Houphouët-Boigny, sous la pluie battante, torrentielle des tropiques, des adolescents jouent, littéralement englués par moments dans la boue. Et là, à nouveau à la base, l'instinct, le sens du jeu, cette facilité déconcertante, même dans la glaise détrempée. Le meilleur joueur de Côte d'Ivoire, Laurent Pokou, sacré l'année dernière meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, a débuté comme eux voici quelques années, jouant comme tous ces gosses que nous avons vus au début du reportage, avant d'être remarqué pour ses dons et d'entrer à la SEC, le grand club rival de l'Africa Sport. Âgé de 22 ans, Laurent Pokou ne dédaigne pas de se retremper aux sources en regardant jouer les jeunes, mais il songe surtout aux offres alléchantes de professionnalisme qu'il a reçues de Nantes et de Marseille. Il faut l'écouter attentivement car son raisonnement est parfaitement logique. Il ne lâchera pas la proie pour l'ombre. Chez moi, puisque je quitte ici mon pays, je vais très loin. Regardez la distance qui sépare de la France de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas petite. Alors bon. Je leur ai dit que voilà, je quitte mon service et je vais faire du professionnalisme. Et si je reçois une infirmité quelconque, je suis baisé, je joue plus pour vous, je n'ai pas du sou. Alors il faut que j'ai des garanties sûres. Alors on ne s'est pas convenu, ils ont dit bon, alors je vais demander aux plus grands qui sont là-bas, je vais leur suggérer la question et on va tirer une conclusion. J'ai dit bon, d'accord. Et il faudra leur suggérer la question, tout ce qu'ils diront, et vous venez, vous allez me télégraphier ou bien par téléphone, et on va conclure tous ensemble. C'est ainsi qu'ils sont partis, et rien jusqu'à présent. Okay. Mais pourtant, ils m'ont amené le billet pour que je vienne, et ils m'ont pas amené le pognon. C'est ainsi que je suis là encore. Parce que vraiment, vous voulez avoir des garanties financières très sérieuses si vous partez. Très sérieux. C'est ça. Et j'aime ça que vous-même, vous savez qu'en France, par exemple, je prends le cas en Europe. Oui. Quand un club sollicite un joueur en Europe, je crois qu'il a des garanties. Il a des, comment dirais-je, comment on appelle ça On lui verse une prime d'engagement. Enfin, c'est y a ça. Ouais. Et c'est pas petit. Oui. Alors, il y a un certain moment en Afrique, on prenait les joueurs comme ça et puis on allait et puis il n'y avait rien et tout cela. Alors, c'est ainsi que les joueurs n'arrivent pas à percer. Alors moi, je voulais quelque chose dessus et avant de partir. Oui. Et j'espère qu'ils m'ont compris, ils n'ont pas trouvé ça mauvais.
Mais vous croyez que vous pourriez vous imposer dans une équipe professionnelle française? Avec votre jeu, ce serait difficile pour vous ou pas? Peut-être que... Je crois que je peux m'imposer, mais dans les débuts seront peut-être difficiles. Mais après, peut-être que quand je serai acclimaté ou bien habitué, peut-être que je peux m'imposer. Ça dépendra des conditions, l'atmosphère. Nous retrouverons Laurent Pecoux à la fin de ce reportage, évoluant dans son équipe, et l'on comprendra peut-être mieux en le voyant jouer pour quelles raisons des clubs comme l'Olympique Marseille ou d'autres essayent de s'attacher ses services. Un Pecoux qui illustre parfaitement les problèmes du football ivoirien, c'est-à-dire un sport riche en individualités remarquables, mais ne parvenant que difficilement à intégrer ses éléments de valeur dans un système collectif. Avant d'en arriver au match des équipes premières, il nous reste encore à regarder le maillon intermédiaire entre le football des gosses et celui des vedettes, c'est-à-dire les rencontres des séries inférieures. Le dimanche matin, en compagnie de notre collègue de la télévision ivoirienne, le reporter George Benson, nous pénétrons sur un terrain de quartier. Ici vont s'affronter dans le cadre de leur championnat deux équipes de cadets, ce terme n'ayant d'ailleurs rien à voir avec l'âge des joueurs, mais correspondant approximativement à notre deuxième ligue. Comment il s'appelle? Bailly-Edouard. Les images, mieux que de longs commentaires, illustrent les conditions dans lesquelles se déroule ce match, en particulier le terrain hérissé de bosses, de creux et d'herbes tenaces. À relever que les vestiaires sont inexistants, les joueurs se changeant en plein air. Quant aux équipements, à l'exception des maillots, ils sont pour le moins disparates, mais tout cela n'empêche pas le match d'être acharné et le public enthousiaste. Ce même dimanche, à Abidjan, dès midi, les premiers spectateurs commencent à envahir le stade où Fouette Boigny, 3 heures avant que ne débutent les deux matchs inscrits au programme dominical, en l'occurrence des rencontres comptant pour les 8e de finale de la Coupe. Les deux clubs de la capitale, l'Africa et la SEC, l'équipe de Pecoux, reçoivent deux équipes de province ce jour-là, des équipes de brousse, comme l'on dit à Abidjan, et même si ces rencontres ne peuvent pas apporter de grandes surprises, l'affluence sera quand même considérable. Et elles éclairent surtout un problème commun au football sous toutes les latitudes, mais qui prend en Côte d'Ivoire un aspect forcené, celui des supporters. Les pompons rouges et verts sur les sandales, ce sont les couleurs de l'Africa. La casquette noire et jaune permet d'identifier immédiatement un supporter de la SEC. Ces supporters jouent un rôle énorme dans la destinée d'un club et cet engouement de la foule a donné par ailleurs naissance à un commerce florissant, des boutiques étant entièrement consacrées à la vente de chemises, de culottes, de casquettes, de parapluies et de tous les objets imaginables aux couleurs des clubs. Par ailleurs, les supporters d'un club ne font pas qu'arborer ses couleurs et venir l'encourager lors de ses matchs, ils suivent également les entraînements. Sur le stade Champroux, où nous avons discuté tout à l'heure avec l'entraîneur Cornilly, ce sont parfois 2 à 3 000 supporters qui se pressent après 18 heures pour suivre l'entraînement de leur équipe, juger de la forme de chaque joueur, soupeser de ses chances pour le match du dimanche. Ce dimanche, ou précisément, ils affluent en rang toujours plus serré, quelle que soit l'importance du match, prêts à hurler leur enthousiasme, à chanter, à battre des bancs, à jouer du tam-tam. Nous le verrons et nous l'entendrons dans un instant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais à Abidjan comme ailleurs, il y a les privilégiés, ceux qui ont les moyens d'acheter un billet et de pénétrer dans l'enceinte magique, et les autres, ceux qui se massent toujours plus nombreux à l'extérieur des grilles, attendant la moindre inattention des gardiens pour tenter de pénétrer quand même à l'intérieur du stade par tous les moyens possibles.
deux, trois resquilleurs s'infiltrent, les mouvements de foule s'accentuent, le service d'ordre alerté commence à réagir. La première barrière est franchie et comme une vague, un paquet de resquilleurs envahit un premier espace libre, chassé tant bien que mal par des gardiens, n'hésitant pas à manier de solides gourdins pour les refouler. Il y a ceux qui passent quand même et ils sont nombreux, et ceux qui après quelques horions seront expulsés de force, quitte à tenter leur chance à nouveau un peu plus tard. Mais le spectacle est à l'intérieur du stade, sur ces gradins où ils sont déjà des milliers attendant le coup d'envoi. Un spectacle tellement haut en couleurs, en cris, en odeurs qu'il vous empoigne instantanément que vous soyez amateur ou non de football. Profitant de l'inattention engendrée chez les gardiens par l'approche du match, quelques isolés sautent encore les barrières, mais vous allez comprendre pourquoi le service d'ordre est impuissant dans certains cas. Regardez le haut des talus, cette poussée venant de l'extérieur et cette véritable avalanche de spectateurs non payants déferlant vers les gradins. Ils seront ainsi plusieurs centaines à pénétrer au dernier moment et à regarder le match gratuitement, le service d'ordre ne pouvant endiguer ce flot humain. Mais il est vrai que les Ivoiriens ne connaissent pas l'usage des chiens policiers sur le stade. Le décor est planté, l'arbitre et les juges de touche attendent, et cette progression que nous avons suivie depuis les gamins de 5 ans tapant dans une balle au travers des flaques de boue de leur ruelle va se terminer avec le match à l'échelon suprême, celui où les supporters vont se déchaîner lors des actions de leur club favori, la SEC. SEC, dont les joueurs pénètrent ici sur le terrain et dont le numéro 9, Laurent Pecou, idole ivoirienne du stade, va recevoir l'accueil qui convient. Derrière la SEC, la AS Divo, cette équipe de Brousse, destinée à être immolée devant le public d'Abidjan, mais qui n'en pénètre pas moins crânement sur le stade, prête à défendre ses chances, accueillie par les hurlements du public massé dans la tribune opposée, essentiellement formée de supporters acharnés de la SEC. Un dernier regroupement de l'équipe sur le terrain, une ultime tentative auprès du fétiche pour lui demander de favoriser l'issue du match, la rencontre peut commencer. En fait, la partie débute à un rythme très rapide et la AS Divo en maillot rayé éprouve bien de la peine à s'opposer à Pecou numéro 9 et à ses camarades. D'ailleurs, le club de Pecou justifie ses faveurs auprès du public par un football spectaculaire basé avant tout sur l'offensive et un jeu aussi collectif que possible. Nous allons en avoir un exemple à la 7e minute du match, avec cette très belle ouverture en pointe, un centre de l'ailier Bailly à l'intention de Pecou, 1-0 pour la SEC. La tribune opposée, que l'on appelle à Abidjan le village, et où sont traditionnellement massés les supporters de la SEC, se déchèvent, scandant Mimo, Mimo, abréviation de Mimosa, cette plante symbolisant la SEC comme les sauterelles désignent les grasshoppers chez nous, ceci en souvenir du premier entraîneur de la SEC, le Français Fabre, originaire de Sète. 12e minute, une attaque solitaire de Pecou qui dribble un puis deux adversaires. Le troisième n'aura plus que la ressource de le faucher dans les 16 mètres. Pas de problème, penalty.
Pocou s'en chargera lui-même. Dès lors, la suite du match est réglée et la SEC l'emportera largement par 8-2, mais ceci n'a plus rien à voir dans le cadre de ce reportage, si ce n'est pour souligner que le club de Pocou est actuellement l'un des plus brillants, non seulement de Côte d'Ivoire, où il se partage la cote avec l'Africa, mais de l'Afrique tout entière grâce à son système de jeu à la rémoise, basé avant tout sur un système de petites passes courtes très efficaces. Notre propos en vous présentant cette émission était de vous faire connaître cette ville d'Abidjan qui représente un des hauts lieux du football mondial, non pas tant par le jeu joué à l'échelon de l'équipe nationale que par l'engouement suscité par ce sport sur toute une population. À Abidjan, tout le monde joue. Depuis les gosses se tenant à peine debout jusqu'aux adultes, des hauts fonctionnaires, des ministres frappant le ballon avec le même enthousiasme que les étudiants, les commerçants, les ouvriers ou les pêcheurs. À Abidjan et sur les bords de la lagune, le football existe vraiment au mètre carré. Il constitue un but en soi, l'unique dérivatif de toute une population ou presque, le sport roi dans toute l'acception du terme. Rock a feature.